open up your heart to be free. Oh, 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 oh. Come on and fly with me. Oh, 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 oh. Come on and fly with me. Oh, 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 oh. Come on and fly with me. Oh, 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 oh. Un avion se dirige vers la côte ouest du Cotentin. À son bord, un architecte du patrimoine, Arnaud Paquin. Il s'apprête à survoler les monuments fortifiés qui jalonnent le bord de mer. Ici, nous sommes sur un littoral complètement plat, sans falaise, qui était facile d'envahir. Donc, il a fallu s'organiser pour contrôler ce littoral. Et on a jalonné donc chacun des havres de clochers fortifiés. Alors, on fortifie les églises, en tout cas, on ajoute une tour fortifiée aux églises pour contrôler les allées et venues sur ce littoral. C'est le principe d'une tour de guet, et d'un petit donjon quelque part. C'est vraiment typique de notre territoire du Cotentin. Ces édifices racontent l'histoire tumultueuse de la presqu'île du Cotentin. Un poste avancé naturel situé à une centaine de kilomètres des côtes anglaises. Ici, nous survolons l'église de Saint-Germain-sur-Aix qui a la particularité de montrer des mâchicoulis. En fait, il s'agit même de faux mâchicoulis qui lui donnent une allure un peu plus défensive encore qu'est-ce qu'elle n'est réellement. Alors si on peut serrer vers Regneville, comme ça on va survoler l'église d'Agon. Elle fait face au grand chenal de l'estuaire de la Sienne. Cette église d'Agon, elle a des dispositifs assez sophistiqués. C'est une église à plateforme qui permet de bien contrôler l'ennemi. On pouvait tirer avec des armes à feu, les premières de l'époque, à la fin de la guerre de Cent Ans, face au bateau qui entrait sur l'estuaire de la Sienne. L'avion s'approche maintenant d'un autre monument fortifié, le château de Grateau. Il est là-bas, je crois que c'est lui, là, les tours qui émergent là. D'accord, ouais. Ah oui, c'est ouais, ouais, c'est ça. C'est un château qui est magnifique vu du ciel, puisqu'on a... On a cet écrin qui est formé par les douves. Le logis partiellement ruiné fait émerger ces tourelles derrière les bâtiments d'entrée qui sont contrôlés par un pont monumental. Finalement, beaucoup de châteaux du Cotentin sont des petits châteaux. On n'a pas de châteaux monumentaux comme dans d'autres régions, le Pays de Loire, etc. Ici, ce sont des petits châteaux qui sont nichés dans un territoire lui-même redécoupé. Donc c'est ce qui fait aussi le charme, je pense, de ce paysage architectural. Je cherche le château de Pirou. Ah, je le vois, il est là. Ici, exactement ici, là. Donc là, on découvre la toiture vue du haut. Donc ça, c'est très intéressant. L'architecte est en charge de la restauration des toitures. Il profite de ce vol pour établir un dernier diagnostic. Les toitures de schiste sont des toitures qu'il faut surveiller de manière constante. Donc cette toiture qui commence à fuir à de nombreux endroits du château nécessite une révision générale et plus qu'une révision, une rénovation. Le temps est compté, l'eau commence à attaquer la charpente. C'est assez émouvant pour moi de survoler cet endroit puisque j'avais pas 10 ans quand je venais jouer là. C'est un espace qui m'a toujours semblé
parfaitement féerique. Et c'est une grande joie de pouvoir travailler dessus aujourd'hui, puisqu'on a vraiment un monument tout à fait unique en son genre, j'en suis absolument persuadé. Le pilote et l'architecte mettent cap au nord-est, vers un autre édifice fortifié, du XXe siècle celui-là. L'ancien hangar à dirigeable des Causevi. On voit cette masse de béton là qui se dresse. C'est vraiment quelque chose qui détonne dans tout le paysage. Il est un peu unique en son genre, ce hangar, il n'en reste plus maintenant des comme ça. C'est un monument tout à fait atypique. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique en Europe et au monde. Depuis cet immense bâtiment, les grands ballons partaient surveiller la mer à la fin de la Première Guerre mondiale. Avec ses 150 mètres de long et ses 30 mètres de hauteur, c'est aujourd'hui le plus grand hangar en béton armé du monde. Donc on est vraiment dans des volumes complètement hors normes qu'on retrouve que à l'échelle des cathédrales finalement, puisque 30 mètres de haut, c'est à peu près la hauteur des voûtes des cathédrales. Aujourd'hui, le dernier des 12 édifices de ce type construit en France est menacé par l'usure. Toute restauration sur les bâtiments en béton armé est une restauration extrêmement délicate. C'est-à-dire que il faut faire attention à ce que la corrosion, donc la rouille sur le fer, ne vienne pas dégrader entièrement le béton. C'est un témoignage du savoir-faire des ingénieurs du début du XXe siècle qu'il faut absolument conserver. Retour vers le sud. L'architecte veut survoler un autre de ses chantiers de restauration. En chemin, il longe Coutances, où se dresse la seule cathédrale du Cotentin. C'est vraiment le bâtiment pilote de tout le Cotentin, le plus beau bâtiment. C'est une cathédrale ciselée du XIIIe siècle, dans le plus pur style de l'architecture normande. Quelques kilomètres plus loin, apparaît un ensemble d'exceptions, l'abbaye bénédictine d'Amby. C'est vraiment une des filles, en termes d'architecture, de la cathédrale de Coutances. Elle est somptueuse. Hein. Malheureusement, c'est un décor seulement aujourd'hui, puisque il ne reste que le squelette de cette architecture. C'est la fin du vol. L'avion atteint l'autre grand monument sur lequel travaille Arnaud Paquin, l'abbaye de la Lucerne. L'intérêt de survoler le territoire de l'abbaye de la Lucerne, c'est de voir à quel point l'ensemble est absolument parfait. L'organisation de l'espace est remarquable. Il s'agit aujourd'hui de restituer son cloître, qui est une pièce maîtresse qui a disparu. On voit très bien ici, vu de haut, que ce cloître était un joyau dans l'ensemble. En travaillant sur le cloître de la Lucerne, l'architecte est le dernier maillon d'une histoire de restauration singulière. Elle commence en 1954, grâce à l'énergie d'un jeune prêtre, Marcel Lelégard. Âgé d'à peine 20 ans, ce Cotentinois se lance alors dans un projet fou. Racheter l'abbaye et créer une fondation pour sauver ce monument dévasté. Dans les années 80, il rencontre un jeune maçon. Jusqu'à la mort du prêtre, tous les deux consacrent leur vie à la reconstruction à l'identique
de l'édifice médiéval. La logique, c'est de tourner dans le sens. Âgé de 56 ans, Pascal Thomas, le maçon, travaille aujourd'hui avec le jeune architecte. Pascal, c'est la cheville ouvrière de tout ce projet complètement inédit. Et Pascal, c'est non seulement la mémoire des pierres, et c'est la mémoire des intentions de l'abbé Le Légard, qui était le grand maître d'œuvre de ce projet. Il y a 30 ans, quand j'ai découvert l'abbaye, il y avait... Donc ce mur-là n'existait pas, la nef n'existait pas. J'ai même connu des vaches dans la nef, hein, qui broutaient l'herbe. Derrière nous, le réfectoire n'existait pas. Et le cloître, ben, il ne restait que cette allée-là. Autrement, tout a été reconstruit. Le but, c'était de refermer le cloître. Donc avec l'église, le bâtiment est, le réfectoire, et le bâtiment ouest, ben, qui existait, qui était corps debout. Et voilà. Ensemble, les deux hommes doivent reconstruire à l'identique l'aile nord du cloître. Quand vous voyez des pierres comme ça, en deuxième assise. Pendant 200 ans, l'abbaye a servi de carrière. La plupart des pierres ont été éparpillées. Le maçon et l'architecte étudie chaque bloc sculpté pour reconstituer le puzzle. Avec toutes les pierres ici réparties, on n'a plus qu'à faire l'assemblage et retrouver le bon montage pour redonner donc au cloître tous les piliers disparus. C'est un exercice absolument fabuleux, quoi. C'est hyper motivant de se dire qu'à partir de ce matériau, qui lui est en pièces détachées depuis plusieurs siècles, on va pouvoir ressusciter quelque chose qui a été construit par un autre maître d'œuvre. Au final, notre satisfaction sera de penser que on n'a rien fait. Pour Arnaud Paquin, le plus grand exploit du maçon et du prêtre est d'avoir reconstruit à l'identique l'abbatiale, l'église de l'abbaye. J'ai grandi à quelques kilomètres de l'autre côté de la forêt. Alors évidemment, le terrain de jeu, c'était la forêt, et on s'aventurait jusqu'à l'abbaye. Je me souviens très très bien voir toute l'abbatiale complètement posée sur l'herbe. Enfin, ce qu'il en restait, c'est-à-dire ces quelques piliers, tout ça était à ciel ouvert. C'était des ruines romantiques, magnifiques. Pascal Thomas a dû retrouver les techniques des bâtisseurs du XIIe siècle. Comme eux, il a élevé les voûtes en croisée d'ogives grâce à un système de cintres de bois. On construit comme nos ancêtres. C'est surtout ça, moi, qui me plaît dans la maçonnerie. On fait les mêmes gestes, même avec les techniques tout à fait modernes. On fait pas mieux. Je connaissais pas la chaux, je connaissais juste un petit peu le ciment. Et j'ai appris tout sur place. J'ai tout appris, surtout en 7 ans, les 7 ans que j'ai connu l'abbé. C'est lui qui m'a presque tout appris. Tout ce qui est Moyen-Âge, tout ce qui est architecture. Et quand on sait que ça a été fait par 2 ou 3 maçons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Avec le temps, en prenant son temps, et ça a été fait à la main. Ça a été fait doucement, comme autrefois. Et en fait, c'est possible. On est passé du ciel ouvert à une voûte 12e, style 12e. C'est extraordinaire. L'architecte et le maçon se sont donné 2 ans pour reconstruire le cloître et réaliser le rêve de l'abbé. Au nord-est du Cotentin. Guillaume Garbe, lui aussi, s'est lancé un pari fou. Acheter et sauver un petit château du XVIIIe siècle tombé dans l'oubli. Il y avait
avec mon père, on cherchait le château de Carneville parce qu'on le connaissait sur photo, mais on ne réussissait pas à le trouver. On tournait toujours une route trop tôt. On réussissait à aller à Carneville, évidemment, mais on ne trouvait pas le château. Et un jour, au cours de ses virées, mon père a réussi à trouver l'entrée du château. Du coup, il est vite revenu me chercher. Et puis, il m'a dit, Guillaume, j'ai trouvé l'entrée de Carneville, viens, je t'y emmène. Et donc, on y est allé. Et là, ça a été, enfin le moment où on cherchait Carneville. Et on était arrivé devant le portail avec le château qu'on voyait à travers les branches dans le bout de l'avenue. Toute sa famille s'est endettée pour aider ce jeune antiquaire de 26 ans à concrétiser son rêve. Faire revivre Carneville en l'ouvrant au public. Je voulais vraiment, depuis que je suis tout petit, être utile pour un lieu. Et assez rapidement, quand on a découvert Carneville, c'était pas un château que je voulais, c'était celui-ci. Le hasard veut que quand j'étais gamin, je dessinais tout le temps des silhouettes de châteaux. Et j'ai dessiné à peu de choses près la façade de Carneville. Et donc quand je suis arrivé ici la première fois avec mon père, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est le château auquel je pensais quand j'étais gamin. Le jeu de l'architecte au XVIIIe siècle, pour cette maison-là, c'est pas du tout la volonté d'impressionner. Ça fait plutôt grosse maison de propriété terrienne, plutôt que château en soi, puisqu'il n'y a pas de tours qui vont venir impressionner le visiteur, il y a un nombre de fenêtres qui est tout à fait mesuré, il y a deux toutes petites cheminées qui sont ramassées dans le sens du faîte du toit, qui ont un peu tendance en plus à écraser la maison. Ce côté-là, c'est en fait le côté un peu du Carneville intime, la façade arrière, et j'avoue que je l'aime beaucoup. L'autre côté, c'est autre chose. Face au nord, le monument surplombe un jardin à la française que Guillaume est en train de finir de restaurer. Donc là, en fait, on est sur la façade principale du château et c'est vraiment la façade qui cherche à assumer le statut de château. La maison fait la même dimension, mais on a 4 fenêtres de plus, c'est-à-dire 3 sur les ailes et 3 en pavillon central. Et pareil pour les cheminées, il y en a 4, elles sont en milieu de toiture et donc elles monumentalisent la façade. Donc ce sont tous ces petits éléments-là qui vont donner un rayonnement différent. En 2014, le jeune homme a ouvert le parc au public pour financer une partie des travaux du château. Aujourd'hui, il prépare les 12 plus belles pièces pour les rendre accessibles. Il a retrouvé ce lit du XVIIIe siècle dans la cave avant de le restaurer. Lorsqu'il a emménagé, Carneville était complètement vide. C'est parfait. Ça a particulièrement du sens de remettre ce meuble-là ici, puisqu'il a été fait sur mesure pour l'alcôve. C'est vraiment un meuble qui a été commandé pour le château et donc qu'on a la chance de conserver encore dans le château, de lui redonner une nouvelle jeunesse en le retapissant, etc. Bah, voilà, ça le permet de le remettre en place, en situation, et que tout le monde en profite. Côté jardin, ces deux pièces vont être ouvertes au public. Carneville, c'est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle une maison des champs, ou une maison de compagnie, c'était construit pour faire la fête. Quand on est arrivé ici, le premier hiver en 2012, on s'est senti très malin et on a voulu chauffer tout le château. Sauf qu'en 21 jours, on a brûlé plus de 2200 litres de fioul. Et c'est là où on a compris en fait que la maison, elle est faite pour vivre d'une certaine façon. Les grands salons en enfilade, c'est très bien l'été, mais ça sert à rien d'y habiter l'hiver. Autant habiter dans les petits salons qui sont beaucoup plus faciles à chauffer. Alors là, c'est vraiment le genre de petit détail que j'adore à Carneville, c'est que dans sa structure, rien n'a bougé depuis le XVIIIe siècle. Il y a encore les petites olivettes, les petites clenches qui sont d'origine, des toutes petites poignées très discrètes. Elles sont toutes délicates, mais c'est celles d'origine, quoi. Donc c'est tout bête, mais c'est ce qui fait vraiment la valeur de cette maison. Guillaume a également réhabilité la boulangerie du XVIIIe siècle. Il a proposé à Clotilde Jung de remettre le four en marche. Cette ancienne assistante sociale est revenue dans le Cotentin pour réaliser son rêve, devenir paysanne boulangère.
Quand j'ai rencontré Guillaume, on a tout de suite sympathisé, on a fait une grande balade dans le parc, enfin, ça a été vraiment une belle, un bon moment. Et puis je lui disais, ben, si ça t'intéresse, tu fais des événements, il m'a parlé de son projet, je lui dis, ben, moi je veux bien animer, faire des animations dans ta boulangerie, ça me plairait bien. Et puis, ben, de fil en aiguille, je suis arrivée ici à faire des boulanges plus régulièrement. Et donc voilà, maintenant, c'est mon lieu de travail. La boulangerie du château est aujourd'hui le seul commerce du village. Le fait d'être ici, ça a du sens, parce que ça me fait vivre d'être ici. Donc ça va dans le sens, en effet, que Guillaume attache à défendre son château. On recrée de la dynamique d'activité. En faisant revivre le lieu, c'est pas un lieu privé, c'est un lieu public pour les gens, les artisans comme moi, ou les visiteurs, ou voilà. On se réapproprie le lieu. Bon, ça y est, la fournée est sortie. Ça y est. Mais il y a une belle couleur, là. Eh ben ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, tu sais, dehors, ils sont vraiment en train de travailler. Trois fois par semaine, Clotilde vend son pain ici et sur les marchés. Une jeune qui a besoin d'un four pour faire du pain, un jeune qui a un four et qui fait pas de pain, ben, voilà, on s'est trouvé. Dans l'après-midi, Guillaume fait venir l'architecte des bâtiments de France et un ébéniste. Il est inquiet. Il a découvert que la mérule, un champignon qui attaque le bois, a envahi sa maison. Donc vous, Madame Fruger, quand la dernière fois vous étiez venue, je ne sais pas si le plancher était déjà dans cet état-là. Je ne pense pas, il n'était pas autant déformé que cela. Effectivement, le champignon a dû gagner du terrain. On voit toutes les traces blanches qui sont derrière, vous voyez. Voilà, ça c'est du champignon. L'état du bois, vous voyez, il n'y a plus rien, il est complètement vide. Le champignon l'a complètement absorbé, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle le cancer des bâtiments. C'est un champignon qui a besoin d'obscurité, de confinement, d'humidité pour se développer. Il y a plus de 60% du château qui est pris. Donc tout est dans la proportion de la maison. La maison fait 900 mètres carrés, le champignon il fait 400 mètres carrés. La croissance peut être énorme. S'il a toutes les caractéristiques qu'il faut pour grandir, là c'est bingo, il peut grandir de 10 cm par jour. Là, il faut vraiment intervenir maintenant très très vite pour éviter que ça continue, hein, parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Vous avez envie d'aider Guillaume ? Ah, je pense, oui. Il mérite. Il veut sauver le bâtiment, donc il mérite qu'on l'aide. C'est vraiment un champignon qui se développe depuis une vingtaine d'années sur le nord-ouest de la France. Souvent, nous voyons des petits points ponctuels, mais qu'on arrive relativement bien canaliser. Et là, effectivement, la superficie est très impressionnante. Et le fait de voir l'état de destruction de ces boiseries par les champignons fait un pincement au cœur. En effet, nous, en tant que protecteurs du patrimoine, c'est un peu difficile. L'ébéniste va devoir démonter les boiseries touchées et appliquer un fongicide puissant. À l'étage, une partie des menuiseries a déjà été retirée. Donc voilà. Donc là, en fait, on est juste au-dessus du salon où on était tout à l'heure. Je pensais pouvoir gérer ce problème-là tout seul, parce que j'étais pas encore conscient des problèmes dans le reste de la maison. J'ai vu juste ça, je me suis dit, oh là là, c'est la mérule, bon, on va garder le sang-froid, on va pouvoir s'en sortir. J'ai tout brûlé, sauf que le champignon, il est assez perverse et il sait faire des racines pour aller chercher l'eau très très loin. Donc là, le mur en pierre, il fait un mètre de large, mais le champignon, il va jusque dans la gouttière chercher son eau, quoi. C'est incroyable. Donc, comme on n'a pas traité avec les produits phytosanitaires, on n'a fait qu'un traitement de surface en brûlant, et ben le champignon, il repart de plus belle. Voilà. Il y a vraiment des moments où on se dit, est-ce que c'est utile? Le problème est tellement grand, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais comme je le dis souvent, j'ai pas envie que dans 30 ans, on passe en haut de l'avenue et on dise « Ah, quelle jolie ruine !» Non. J'ai plutôt envie que dans 30 ans, les gens passent et ils disent « Rien de loin quand même, hein. Ça a été dur, mais ils s'en sont sortis. » Voilà, c'est vraiment l'objectif, là. Pour relever son défi, Guillaume organise régulièrement des journées de travaux avec les bénévoles de l'Association des Amis du Château. Cette année, sa nouvelle idée est de construire un ponton sur l'étang, en contrebas du domaine.
Pendant des décennies, ce site a été laissé à l'abandon. Il y avait un mur végétal, on ne voyait absolument pas la perspective. Donc la première étape, ça a été d'élaguer un petit peu pour dégager un point de vue. Et puis quand on a vu que le point de vue était vraiment joli, on s'est dit, bah, faut faire un ponton, quoi. Voilà, histoire d'inviter les gens à avancer sur l'eau. Et puis aussi parce qu'on a des gîtes qu'on va commercialiser pendant la semaine. Et on voudrait faire des gîtes de pêche, en fait. Donc ça, on crée 3 postes de pêche sur l'étang principal. Et donc on fournira du matériel et les gens pourront venir habiter au château et en plus venir faire de la pêche dans l'étang au château. Donc c'est un truc qui est vachement sympa, je trouve. Le grand-père de Guillaume est un pilier de l'association. Mes origines sont très modestes, mais j'aurais jamais pensé être, pas être châtelain, je suis pas châtelain du tout, mais être dans un site comme ça, quoi. C'est formidable pour moi. Hein, j'en rêve la nuit. Qu'est-ce que vous souhaitez à Guillaume ? Qu'il réussisse son pari énorme. Ben voilà. C'est ça. Parce que des embûches, il en a. Et il en a beaucoup. Et il en a des énormes. C'est une super folie, mais je suis à fond avec lui, il n'y a rien à faire. Pendant ce temps, un autre groupe s'active dans le jardin à la française. Il faut désherber en plein soleil. C'est la partie de Christiane, la grand-mère de Guillaume. Ben, tout petit Guillaume, il avait 3-4 ans, 5 ans, nous disait. Tu sais, mamie, quand je serai grand, ben, j'aurai un château. Ben, je lui dis, c'est ça, mon chéri, rêve. T'as le droit de rêver. Puis, en fin de compte, il a réalisé son rêve. Hein. Un rêve fou, on est aussi fou que lui. On continuera de suivre autant qu'il faut. Ça maintient la forme. Ça nous empêche de vieillir. Quand je suis arrivée ici, je faisais une taille 48. Maintenant, je fais du 42. Ça fait presque 15 kilos en 3 ans. Bien, c'est pas besoin de régime, c'est super. Florence est une voisine. Elle a connu le château abandonné. Guillaume, avec sa fougue, son entrain et son désir de conserver ce patrimoine, et c'est extraordinaire. Et je pense que ce château, quand il pourra être visité, voilà, ça amènera beaucoup, beaucoup à toute une région. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce château survive et accueille de nombreuses personnes, parce que c'est ce qu'il veut faire partager. C'est pour tout le monde, il veut. En fin d'après-midi, le ponton sur l'étang est terminé. Waouh, super! C'est génial! Bon, là, du coup, on peut marcher sur les bords sans tomber. Ah, tu peux marcher sur les bords, hein, regarde. Tu vois, ça, c'est un fantasme, c'est de venir s'asseoir sur le bord d'un ponton. Hop. C'est vrai que c'est un très gros projet. Et de voir qu'ils le font pour moi et qu'ils le font aussi pour le lieu, c'est que j'ai peut-être réussi à leur transmettre un petit peu cet amour du lieu. Donc, de toute façon, c'est indispensable qu'ils m'épaule d'un point de vue matériel, d'un point de vue travail, mais d'un point de vue soutien moral aussi, puisque... par moments, il y a des coups de mou, ça c'est évident, on peut pas faire autrement. Et le fait d'être vraiment porté par tout le monde, d'avoir toutes ces bonnes intentions autour de moi, c'est indispensable. À 15 km de la côte ouest, se dessinent les Écréous, le plus sauvage des archipels anglo-normands. Comme Jersey, Guernesey, Origny et 8 autres îles, les Écréous sont rattachés à la couronne britannique depuis le XIIIe siècle. C'est un archipel assez irréel de rochers, de cailloux. Et c'est un endroit qui est extrêmement difficile d'accès, compte tenu des courants. Il n'y a quasiment pas de carte des Écréous, parce que c'est un entrelac de cailloux, de chenaux tortueux. C'est peut-être aussi ce qui fait son charme, ce côté inaccessible. Philippe Renaud,
a écrit plusieurs ouvrages sur les Anglo-Normandes. C'est très surprenant, très étonnant, presque à se frotter les yeux en disant est-ce que c'est pas un mirage? Qu'est-ce que c'est que cette petite ville qui surgit au milieu des flots? Philippe se dirige d'abord vers la Marmottière, la plus grande des îles habitées. Ici, protégée des tempêtes par le rocher, s'élèvent une vingtaine de petites maisons, des anciennes cabanes de pêcheurs. Ce sont aujourd'hui uniquement des maisons de vacances, pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Donc c'est forcément une vie très simple, bien sûr aucun commerce. Donc on amène son approvisionnement, son ravitaillement. C'est forcément un peu spartiate et on se contente de peu et d'une vie simple. Alors là, nous sommes en train de rentrer dans la grande rue et quasi unique rue de ce petit îlot de Marmottière. De part et d'autre de cette rue, des toutes petites maisons qui sont blotties les unes contre les autres, quasiment pour se tenir chaud et résister aux tempêtes d'ouest. Une toute petite rue qui mène à la place du village. Elle fait quoi? Elle fait 8 mètres carrés, 10 mètres carrés. Tout est compliqué, pas de matériaux, pas de ciment. C'est un vrai défi que de conserver ces petites maisons dans l'état remarquable où elles sont. On ne peut pas dire qu'il y a un style propre aux Écréaux. Ce sont des cabanes de pêcheurs, construites à l'origine certainement de briques et de brocs, et puis améliorées au fil du temps. Dans l'après-midi, la marée est descendue. Philippe en profite pour rejoindre à pied un autre îlot habité, la Grande Brèque, inaccessible à marée haute. Il est attendu par des figures des Écréaux, les Thompson. Good to see you. Good to see you again, Mr. Thompson. Les Thompson sont arrivés la veille. Ils ont hissé le drapeau pour signaler leur présence sur l'île. C'est une tradition dans les Anglo-Normandes. On hisse le drapeau de Jersey quand on arrive, et puis quand on repart, après deux ou trois jours, on le retire. C'est la même chose en face. En ce moment, il n'y a personne sur la Marmottière. Mais s'il y avait eu quelqu'un, ils auraient hissé le drapeau. Chez les Thompson, la passion des Écréaux se transmet en famille. Peter a hérité de cette cabane de son père. Aujourd'hui, il passe le relais à Alex, son fils. Ce célèbre navigateur a participé à plusieurs tours du monde en solitaire à la voile. Ils ont reconstruit ensemble cette maison il y a 10 ans, après une grosse tempête. Mon père, mon cousin, mon frère et moi, nous avons tout fait. En fait, mon père a apporté tous les matériaux ici. 30 tonnes de briques, du sable et de l'eau. Tout ça avec un tout petit bateau, un Zodiac. Des centaines d'allers-retours. Il y a eu du boulot dans la boue et la sueur pour construire cette cabane, mais aujourd'hui, franchement, c'est la plus belle. C'est un vrai plaisir de venir ici. C'est un endroit exceptionnel. La vie est rythmée par la montée et la descente des eaux. C'est vraiment unique. C'est la première fois que Philippe rentre chez les Thompson. C'est très petit. Une pièce en bas et une pièce à l'étage. L'eau chaude dont nous sommes si fiers provient de ces deux chauffe-eau. Un pour la cuisine, l'autre pour la salle de bain. Notre cabane est la plus moderne des Écréaux. Nous avons des panneaux solaires, l'eau chaude, un grand réfrigérateur. Les autres sont beaucoup plus rudimentaires. Les panneaux solaires viennent de mon bateau. Oui, ces panneaux solaires ont fait le tour du monde. Je suis très très fier de ma salle de bain. Voilà la douche, avec l'eau chaude. Comme il n'y avait pas assez de place, nous avons laissé un bout du rocher. Mais ça ne nous dérange pas. On trouve ça plutôt joli. C'est sûrement la plus belle douche des Écréaux. Thank you.
Vous savez, maintenant, j'adore venir ici avec ma famille. Mes enfants viennent depuis qu'ils sont bébés, et maintenant, ils ont l'âge de vraiment apprécier. Ils peuvent se balader, pêcher des crabes et des homards. Et je peux leur apprendre tout ce que mon père m'a appris. C'est la meilleure île possible. Imaginez la même chose aux Caraïbes. On ne pourrait pas se l'offrir. On ne pourrait pas avoir la même chose ailleurs. Ici, c'est tout simplement fantastique. Le lendemain, Philippe Renaud quitte Guernesey vers une autre île, Cerques. Hello, sir. How are you? Nice meeting you. Pour son prochain guide, il part avec Michel Jeanne, un fin connaisseur de la plus atypique des Anglo-Normandes. Ce professeur d'anglais du Cotentin y emmène régulièrement des groupes. Il en connaît toutes les coutumes. J'adore arriver à cette heure-là parce que regarde, l'île est complètement éclairée par le soleil d'ouest. Et elle prend une ampleur, une couleur absolument extraordinaire. J'adore arriver à Cerques le soir. Les navigations ne sont pas très longues ici dans la région. Les îles anglo-normandes ne sont pas très éloignées les unes des autres. Ce qui est intéressant ici, c'est le choc culturel. Des traditions qui sont très différentes et pourtant qu'on retrouve quelque part. Ce sont nos cousins malgré tout, hein. Ce sont nos cousins lointains. Mais quand on se salue, on se salue entre cousins normands. Et c'est l'avantage que j'ai de vivre en Normandie, c'est que j'ai la Grande-Bretagne à moins d'une heure de chez moi. Le passionné angliciste que je suis, ça lui permet de partager deux passions, le mode de vie anglaise et puis de pouvoir voir des paysages absolument extraordinaires. Il y a toujours quelque chose à voir et à raconter. C'est vraiment des cailloux dont je suis vraiment passionné et amoureux. À 37 km des côtes, Cerques dessine un vaste plateau au-dessus de falaises dominant la mer. À peine débarqués, Michel et Philippe se rendent dans l'unique village de l'île. Voilà, les Burons sous le soleil. Oui, les Burons, c'est du nom d'un célèbre pirate, non, qui a séjourné à Cerques. Sans habitants peuplent ce petit bout de terre au mode de vie particulier. Première règle, les engins motorisés sont strictement interdits, à l'exception des tracteurs. Michel veut présenter à Philippe l'une des personnalités de Cerques. Kevin Adams est le capitaine des pompiers. Même pour les sauveteurs, le tracteur est le seul moyen de locomotion. Si on voit un tracteur sur la route, on l'emprunte. Les gens de Cerques savent bien qu'on ne va pas le voler. On est sur une île, on ne peut pas aller bien loin. Et c'est peut-être leur maison qui est en feu. Donc, vous sautez sur un tracteur si vous êtes pressé? Oui, on a le droit d'emprunter d'autres tracteurs que les nôtres. Si notre tracteur tombe en panne, pas de problème. Mais si on avait un camion, comment on ferait, puisqu'il n'y en a pas d'autres sur l'île? Kevin Adams, comme la plupart des habitants de l'île, a plusieurs métiers. Je suis organiste à l'église et chef de chœur. Mais je suis surtout prévôt dans la cour du Sénéchal. C'est moi qui exécute les jugements de la cour, qui collecte les impôts et fait payer les amendes. Nous avons tous différents métiers ici. Aucun ne tient sur l'année. On aime bien être unique. C'est ennuyeux d'être comme les autres. C'est une île étrange parce que c'est une île qui s'évertue à rester hors du temps. C'est un choix de vie que de rester à l'écart des temps modernes, ce qui n'est pas toujours si facile que ça d'ailleurs.
Michel et Philippe traversent maintenant des jardins à la française. Ils mènent à un site qui, lui aussi, a traversé le temps. Cet endroit s'appelle la Seigneurie parce que, encore en 2017, eh bien, il y a toujours un seigneur de type féodal, qui vit sur l'île de Sercq. Depuis le XVIe siècle, les 40 propriétaires terriens sont gouvernés par un seigneur. Le titre et les terres se transmettent de père en fils. C'est vraiment encore à l'heure actuelle, je crois qu'en Europe, c'est le dernier bastion féodal. On a toujours la même hiérarchie, un seigneur, un sénéchal, un prévôt, un connétable, un vintonnier. Donc la structure médiévale de Sercq est toujours là. Depuis le tout premier seigneur de l'île, certaines règles n'ont jamais changé. La couronne britannique n'a pas jugé utile de réviser le loyer et l'île de Sercq est toujours louée par le seigneur. Une livre 75, environ 2 euros par an pour l'île de Sercq, un loyer inchangé depuis plus de 450 ans. Sur le haut plateau, les deux hommes sont attendus par une autre figure de Sercq. Mr. Scott! Nice to see you. Ah, friendly. Looking at the view, I suppose. Yeah, 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 yeah. Bon, on va jouer les bergers, Philippe. Dave Scott est berger et possède le plus grand troupeau de l'île. Voilà. Philippe, on la travaille bien fait. Ensemble, ils accompagnent les 300 bêtes vers leur pâturage à flanc de falaise. Il faut que je vienne à Sercq pour guider un troupeau de moutons. Voilà, les deux derniers, ben, je crois que là c'est bon, on a le pont. Les moutons ont l'habitude. Ils sont descendus tout en bas et d'ici une demi-heure, ils vont remonter. Ils peuvent aller sur les sentiers là-bas. Ils peuvent brouter partout. C'est un très bon mélange de pâturage et d'herbe ici. Les moutons sont également d'excellentes tondeuses. Ils maintiennent le paysage et les falaises ouvertes, accessibles. Lorsque le vent souffle ici, et ça arrive très souvent, tout se couvre de sel. Donc les moutons broutent une herbe salée, ce qui est très bon pour la viande. La viande ne devient pas vraiment salée, mais ça améliore sa qualité. C'est un peu comme l'agneau de Normandie chez vous, comme au Mont-Saint-Michel. Dave est vite revenu s'installer sur Sercq après avoir fait des études loin des îles. Ici, il faut savoir profiter de tout. On ne peut pas aller au cinéma, par exemple. Il faut savoir créer ses propres loisirs. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment une belle vie. Je ne m'imagine pas vivre dans le stress. Ça ne me plairait pas, sûrement pas. Il y a plein de choses qui me font venir ici. Mais une des premières choses, c'est cette beauté, mais alors, à tomber sur les fesses. À quelques centaines de mètres de chez le berger, Michel emmène Philippe au point d'orgue de Sercq, la Coupée. Un sentier aménagé sur un isthme naturel. C'est un endroit magique. Pour moi, c'est la tour Eiffel de Sercq. Si tu vas à Paris et que tu vas pas voir la tour Eiffel, c'est comme si tu viens à Sercq et que tu traverses pas la Coupée. La Coupée relie Grande Sercq à Petite Sercq, la partie sud de l'île. On ne peut arriver à Petite Sercq que par cet endroit-là. On pourrait même dire que c'est un deuxième monde à l'intérieur de Sercq. C'est le monde à part du monde à part, complètement. C'est la fin de la journée. Les deux hommes sont de retour chez Dave pour goûter son agneau.
Pour l'agneau de cerque, il faut faire simple. Ne pas rajouter trop de saveur. Il est déjà très bon naturellement. Ici, l'agneau se déguste à la mode anglaise, accompagné d'une gelée à la menthe. Il faut juste faire bouillir du sucre, rajouter de la menthe, l'amener à température pour que la gelée prenne. C'est très simple. Et il faut aussi rajouter un peu de vinaigre. Thanks for your hospitality. No worries. Dave, to the sheep. To the sheep. To the sheep. To the sheep. Now tell you. La visite était vraiment superbe, mais la terminer comme ça, vraiment, tu es un ami. Ça correspond à ce que je savais de l'hospitalité extraordinaire de tous les gens d'ici. Ils sont certainement très contents de nous voir et ils aiment bien partager leur bonheur. Donc voilà, on le partage bien volontiers avec eux. Retour sur le continent. Dans le cœur du Cotentin, des marais sont regroupés au sein d'un parc naturel régional. Dans ce paysage à fleur d'eau, des passionnés se battent pour préserver un habitat traditionnel, les maisons en terre. C'est une des plus fortes concentrations de maisons construites avec la technique dite de la bauge. Et c'est ici des villages dans lesquels plus de 80% du patrimoine bâti est construit en terre. François Streff est l'architecte du parc. Il est attendu ce matin sur l'un des chantiers qu'il supervise. Ici, dans les marais, l'argile a longtemps été le seul matériau disponible. Une ressource naturelle et abondante. Depuis l'après-guerre, elle a progressivement été supplantée par le béton. Il y a une urgence à poursuivre l'action qu'on a engagée parce qu'effectivement, c'est tous les jours des bouts de murs qui tombent, des bouts de murs qui sont modifiés. Donc il faut vraiment... Continuer ce travail pour surtout que ça perdure et que ce soit pas juste un petit coup d'épée dans l'eau. On a recensé près de 10 000 bâtiments en terre. Pour l'instant, on en a sauvé ou rénové que 500 environ. Donc j'ai encore de quoi m'occuper de longues années. Donc c'est là qu'on a fait l'extraction de terre. François forme des maçons de la région aux techniques de construction oubliées, comme Ludovic Maloisel. Là, c'est la couche supérieure. D'accord. L'artisan a trouvé une veine dans le jardin de la maison à rénover. Voilà, une bonne consistance, elle est chargée. Hein. Ouais. On fine, il y a du sable dedans, on a des cailloux. Alors là, on fait des petits tests de terrain qui nous permettent de vérifier la composition de la terre et vérifier qu'elle est bonne à utiliser en construction. C'est-à-dire à quoi vous voyez qu'elle est bonne hein? Eh bien, déjà rien qu'au toucher. On arrive à sentir s'il y a des grains de sable. Et puis, par des petits tests simples comme celui-là, d'essayer d'écraser la terre entre les doigts, on peut voir les fissurations qui se créent. Ça donne une indication sur la teneur en argile qui va donner la résistance de la terre qu'on va utiliser. Une bonne terre pour une maison, c'est une terre qui a un peu de cailloux, un peu de sable, un peu de limon et de l'argile pour que tout ça tienne ensemble. La terre est validée, le chantier peut commencer. Pour la rénovation de cette grange, Ludovic a d'abord mélangé la terre avec de la paille et de l'eau. Puis il la dépose sur un soubassement en pierre. C'est la technique de la bauge, caractéristique du Cotentin. Pour la mise en œuvre sur le mur,
on n'a pas réussi à trouver d'autres techniques. Quoi. La meilleure technique, c'est celle-là. Quoi. Donc on a essayé par coffrage, par. Mais c'est pas. Il n'y a pas mieux que les pieds. Il n'y a pas mieux que les pieds. Pour monter le mur, l'équipe de maçons va mettre 3 fois plus de temps qu'avec une méthode moderne. Il faut savoir qu'au niveau de la matière première, on n'a pas, à part le coût d'extraction qui est très modeste, on n'a pas d'achat de matériaux, si vous voulez. Ce n'est que de la main-d'œuvre. Les maisons classiques, aujourd'hui, vous avez un gros coût de marchandises, de matières premières. Aujourd'hui, sur la Bauge, vous n'avez pas ce problème-là. Les coûts sont allez, on va dire, 20% plus élevés qu'une maison traditionnelle. Ça nous donne une vraie maison, une belle maison, quoi. Une maison typique de chez nous, quoi. Les maisons en ciment, on en voit partout. Les maisons en argile, on n'en voit que chez nous. Vous avez un résultat qui est complètement différent. Cette maison-là, ça sera son charme, ça ne sera pas le charme de la maison de monsieur tout le monde. Quoi. Dernière étape, le lissage. On n'a pas trouvé de meilleure technique aujourd'hui. Et puis, il faut qu'on garde un petit peu de ce que faisaient nos anciens quand même, hein, au niveau de la façon de faire. Il faudra encore attendre 4 semaines pour que ce mur soit totalement sec. Quand on a commencé l'action du parc dans les années 90, les maisons en terre étaient vraiment peu considérées. Il y avait cette image de la maison de pauvre. Ce sont des maisons maintenant qui sont valorisées, elles ont retrouvé une valeur immobilière aussi. Elles étaient complètement dévaluées par rapport à la pierre. Aujourd'hui, les agents immobiliers affichent presque fièrement que ce sont des maisons dans le cœur des marais et qu'elles sont construites en terre. Dans les années 50, la plupart de ces maisons ont été progressivement recouvertes de ciment, un matériau jugé alors plus solide. Pour faire réapparaître les anciennes façades, François conseille les propriétaires. L'idée, c'est d'aller préserver ces trésors cachés en enlevant cette croûte de ciment, retrouver la terre, la laisser respirer et lui redonner ses lettres de noblesse. C'est à Saint-André-de-Beauhon que se dresse l'un des plus beaux manoirs en terre du Cotentin. Édifié au XVIIe siècle, il était encore il y a 10 ans recouvert de mortier. Ici aussi, l'architecte a travaillé avec Ludovic Maloisel, le maçon. Aujourd'hui, avec le propriétaire, ils inspectent les dernières finitions. Il faudra refaire la cheminée de gauche à un moment donné. Celle de droite... Il faudra refaire les joints. Ouais, il faudra la rejointer parce qu'on est sur des joints ciment. Oui, il y a encore du ciment dessus. Ouais, on a encore un peu de ciment dessus, malheureusement, aussi, là. C'est un des rares manoirs dont on dispose. On n'en a plus beaucoup sur le territoire du parc. Donc c'est vraiment un marqueur et un témoin d'une époque. Il faut absolument qu'on fasse tout notre possible pour essayer de les conserver et de les remettre en état. Quand on a acheté la maison, on ne savait même pas qu'elle était en terre. Comme tout bon parisien, on a eu un premier réflexe, c'est-à-dire, voilà, c'est le truc en terre, là, ça ne va pas tenir, zut. Bon. Et puis, au bout du compte, on n'y a trouvé que les avantages. Alors, ça, c'est la première pièce à l'étage. Alors, à partir d'ici, tous les murs sont exclusivement en terre. Il n'y a plus de cailloux du tout. Alors, c'est des murs en terre qui sont épais comme ça, à peu près, presque 1 mètre. Il y a un petit enduit de chaux, de sable et de paille de lin et de terre qui donne la couleur, mais c'est une petite couche qui est comme ça, juste pour faire joli. Et derrière, c'est de la terre qui est pure. Patiemment, pièce par pièce, Jean-Marin Nida a tout rénové. Ah oui, en particularité des maisons en terre, on ne peut rien accrocher au mur. On est obligé de recourir à des systèmes comme ça parce que si on plante un clou ou quelque chose, ça peut faire une fissure dans l'enduit à la chaux. On
on chauffe la maison simplement avec des poêles à bois. La chaleur se conduit par la terre. Et une fois que ces gros murs de terre sont chauds, voilà, ben c'est comme si on était entouré de gros radiateurs. Une maison de cette taille-là, si elle n'avait pas été en terre avec un chauffage traditionnel, ça coûterait une fortune. On ne fait pas suffisamment attention à ce petit patrimoine parce qu'il n'a pas de valeur, parce que c'est de la terre, parce que voilà, c'est pas assez chic. C'est pas un amour qui est venu tout de suite. Quand on m'a parlé de maison en terre, tout jeune sorti de l'école d'architecture, c'est pas franchement ce qui faisait rêver. Et j'y ai découvert vraiment un matériau attachant, j'ai découvert un territoire attachant. Et du coup, j'ai poursuivi dans ce matériau et c'est ce qui me motive aujourd'hui. C'est la fin de la journée. François retrouve deux membres de l'association Enerterre. Ça va, François ? Bonjour, François. Ça va ? Comment vas-tu ? Bon. Alors, vous en êtes où ? De là, c'est bien avancé. Avec 6 autres bénévoles, ils se sont donné une semaine pour restaurer la maison d'une jeune propriétaire. Anna Abiven a hérité de cette demeure. Elle a décidé de la refaire de manière écologique. C'est le fait de ne pas aller dans un magasin de matériaux, par exemple, acheter un sac qui est produit par je ne sais quelle entreprise, c'est extrait je ne sais où, j'en sais rien. Du coup, là, au moins, je maîtrise de A à Z le processus. Les 3/4 des enduits, c'est de la terre que j'ai prise dans mon jardin. Du coup, je sais d'où elle vient. La paille, je l'ai prise chez le voisin. La sciure, je l'ai prise dans la menuiserie à côté. Et puis le crottin à la base équestre. Et voilà, j'ai tout. Je sais d'où ça vient. À l'étage, les travaux sont terminés avec des détails de décoration sculptés à même le mur. Et là, on est vraiment purement sur du décoratif. C'est typiquement l'exemple de quand on peut s'amuser avec jouer avec les matières, gratter, lisser, et puis créer des motifs. Les bancs ont des faux airs de marbre. C'est la même terre que celle-ci, mais sauf qu'on a fait une finition différente. On a choisi de faire ce qu'on appelle un stuc. Au final, on arrive à avoir cet aspect luisant là. Et c'est pareil, c'est de la terre. Avec de la poudre de roche, de la poudre de marbre, et puis après, ça finit avec de la terre pure et de l'huile de lin. Donc là, il n'y a aucun produit chimique. Il n'y a pas de vernis, là, par exemple. Non, il n'y a pas de vernis. De toute façon, c'est partout de la terre. Du coup, là, c'est une terre rouge qu'on a trouvée dans une carrière qui est à 20 km d'ici. Et ici, c'est une terre blanche qui vient d'une carrière de Saint-Brieuc. Il y a tous les panels de couleurs possibles. Au final. Ouais, faut qu'on répartisse les bancs intelligemment parce qu'on a bien trop de chaises, il n'y a pas d'autres, non ? C'est une tradition. Chaque journée de chantier de l'association Enerterre se termine par un repas, toujours préparé par le propriétaire. À faire sa recette. On adore la mousse au chocolat. Yann, t'en fous, t'es pas chez toi. Hein. T'es pas obligé de mettre ça nickel. Merci, Laurent. Les chantiers participatifs Enerterre rassemblent des gens qui, à la base, ne se connaissent pas, des fois au début de la journée ou au début de la semaine, et des gens qui viennent de tous horizons. Et donc, c'est le temps du repas, c'est une façon aussi d'apprendre à se connaître, d'avoir un temps un petit peu privilégié entre nous. C'est là où on se retrouve tous, où on discute, on échange, on partage nos expériences, mais c'est super enrichissant pour tout le monde, quoi. Le lendemain matin, 100 km plus au sud, la tempête s'abat sur Granville. En ce début de mois de juin, malgré les conditions difficiles, les techniciens de la ville s'affairent. Ah Olivier, il y a combien de vent là ? 80 ? 90, 100 km. Voilà. C'est vrai que c'est limite pour sortir les cabines, mais bon. Ça va être un peu plus compliqué, un peu dangereux, effectivement, par rapport au coup de vent, quoi. Mais bon, on va faire ainsi, parce qu'elle doit être absolument. On doit absolument y sortir cette semaine pour qu'elle soit mise à disposition pour la semaine prochaine.
C'est une journée importante pour cette station balnéaire. Il faut absolument installer ces cabanes de plage qui marquent le début de la saison. Le temps est compté. Comme chaque année, ces 160 cabines sont déjà louées pour les 3 mois d'été. À Granville, elles sont installées sur la digue, la célèbre promenade du Plat Gousset. Ici, la plage ne se découvre qu'à marée basse. Deux heures plus tard, dans un moment d'accalmie, les petites maisons de bois sont enfin alignées en toute sécurité. J'ai commencé à placer celle-là, moi. D'accord. Ok, donc là, on est situé à peu près ici, c'est ça ? Ouais. Elles sont placées selon un plan bien précis. Marlène Turgis veille à leur bonne disposition. On y va. Les cabines sont installées quasiment au millimètre, hein, puisqu'il faut pouvoir installer les 165 cabines sur l'ensemble de la surface de la promenade. Les Granvillais attendent la procession de l'arrivée des cabines avec impatience, puisque ça signifie que les beaux jours arrivent, mais aussi et surtout les locataires de ces 165 cabines qui louent ces cabines de génération en génération. Ce sont des toutes petites cabanes, hein, vous voyez. Il y a un aménagement très sommaire. Vous avez juste un petit banc ici et puis des crochets pour pouvoir tenir les portes ouvertes et qu'elles tiennent malgré le vent. C'est un petit peu la résidence secondaire. Pour les Granvillais et les Granvillaises qui habitent en centre-ville dans des appartements, eh bien, c'est vraiment le quartier d'été. Ils rejoignent, ils retrouvent leurs voisins dans le quartier du Plat Gousset qui se crée uniquement pour la saison. L'ancien hôtel Normandie domine toujours la promenade du Plat Gousset. À la fin du 19e siècle, avec sa vue imprenable sur la mer, c'était déjà un lieu très couru des Parisiens. C'est avec l'ouverture d'une ligne de train entre la capitale et Granville, et surtout les congés payés, que le port de pêche a changé de visage. Granville est très vite devenue une station balnéaire. Elle a profité de cette nouveauté comme une véritable aubaine pour avoir un nouveau souffle et devenir la première station balnéaire du département de la Manche. Cette mode des vacances a modifié profondément la physionomie de la cité. Là, ici, on a deux visions de la mer qui se confrontent. La vision du 15e siècle avec ces murs épais qui permettent de se protéger de cet élément dont on avait peur. Et puis ici, la vue sur les villas balnéaires qui commencent à se construire à flanc de falaise et qui permettent de s'installer au plus près de la mer pour pouvoir bénéficier au maximum de cette vue sur la mer. En moins de 100 ans, des dizaines de villas ont colonisé la corniche. La plus emblématique est la villa Les Roms. C'est ici que Christian Dior, le célèbre couturier, a passé son enfance. Christian Dior est resté très très marqué par cette maison dans laquelle il a fait ses premiers pas. Il en garde un souvenir extraordinairement fort, à tel point qu'il dira qu'il doit tout à sa situation et à son architecture. Les Dior, de riches industriels de la région, ont pris possession des lieux en 1906. Le petit Christian et sa famille y ont passé 6 ans, puis toutes leurs vacances, avant de la vendre en 1932. C'est l'attachement d'un petit garçon pour sa première maison, la maison où il a fait ses premiers pas, qu'il va le marquer à jamais, dans un cadre absolument privilégié. Et il va être marqué par la couleur de cette maison en particulier. Ce rose très doux, ce crépi d'un rose très doux qu'il y a sur la maison et qui va l'inspirer en couture puisque le rose deviendra une de ses teintes de prédilection que l'on retrouve très régulièrement sur les collections, sur les différents modèles haute couture qu'il va créer. Dans la villa, aujourd'hui transformée en musée, sont exposées ses plus belles robes. Avec, dans son ancienne chambre, ses créations aux motifs fleuris qui ont révolutionné le monde de la mode. Plutôt que de lire des romans dont il avait, semble-t-il, pas trop le goût, il se complaisait dans la lecture des catalogues de Grenetier.
Et il lisait des catalogues de fleurs, voilà. Et ça va ensuite, bien sûr, beaucoup l'inspirer, puisque la célèbre silhouette de ce qu'on a appelé le New Look, donc cette fameuse première collection de Christian Dior en 47, sera associée à cette silhouette de femme fleur, extrêmement féminine, qui met en valeur les formes de la femme. 1947, le tailleur bar et ce commentaire dans la presse, Christian Dior a révolutionné la couture comme les taxis de la Marne ont sauvé la France. C'est dire le choc provoqué par ce que l'on appela à l'époque le New Look. Une idée, une exigence surtout. Je voulais être architecte. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit. Et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Aujourd'hui, la maison d'enfance de Christian Dior permet au public de découvrir l'empreinte du chic balnéaire du début du XXe siècle. Avec ses trois beaux windows, ses grandes baies vitrées et son jardin ombragé. Au bout d'une allée, seule une pièce reste fermée aux visiteurs. Là, on arrive dans un petit pavillon un peu à l'écart de la maison que peu de visiteurs ont la chance de connaître. Il s'agit d'une des pièces qui offre une des plus jolies vues dans cette maison. Ici, il faut s'imaginer dans cette petite salle qu'on appelle la salle de jeu, les enfants Dior, les cinq frères et sœurs, venant jouer dans cette petite pièce à l'écart de la maison. Mon rêve secret, ce serait de m'en faire mon bureau et de pouvoir me cacher. Le téléphone n'y passe pas, en étant tout à fait à l'abri de tous dans cette petite pièce où je pourrais... Est-ce que j'arriverai vraiment à y travailler? Ça, c'est moins sûr. Après une semaine de travail, toutes les cabines sont installées sur la promenade du Plat Gousset. Granville a pris ses atours d'été. Deux kilomètres plus au sud apparaît Saint-Père-sur-Mer. Ici aussi, les villas édifiées à partir du 19e siècle s'alignent sur le littoral. Laurence Varin est la chargée du patrimoine de la ville. Elle fait le tour des propriétaires pour les convaincre de raconter l'histoire de leur maison. Oui, alors je viens vous voir pour notre histoire de panneaux, pour mettre en valeur votre maison. Laurence veut installer des panneaux d'information au pied des plus belles demeures. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de mettre en valeur tous les éléments d'architecture balnéaire. Donc la multiplication des matériaux, le granit, la brique, la pierre, la faïence qui est là-haut. Donc l'idée, ce serait de parler de tout ça dans le panneau, qu'on pourrait mettre, si ça vous va, par exemple, ici. On pourrait mettre un panneau collé à la façade. Je trouve qu'on a de la chance d'habiter une maison comme ça. Et je trouve que c'est bien que les gens qui s'y intéressent puissent voir le patrimoine. La villa La Croisette a été bâtie en 1850 pour un prince russe. Parfaitement conservée, c'est un bel exemple du style balnéaire. Le style balnéaire, c'est montrer qu'on a de l'argent, qu'on peut accueillir sa famille, les amis. Donc on fait souvent des maisons très massives, très grandes. Et c'est plutôt se différencier des autres maisons par exemple, la multiplicité des couleurs utilisées, des matériaux, pour vraiment faire quelque chose d'original. Pour sa tournée des propriétaires, Laurence Varin est attendue dans une autre maison, au bout de la plage. On tient à ce que ces villas restent authentiques, on veille à ce que les propriétaires les entretiennent, on est ravis quand elles sont restaurées, surtout quand elles sont restaurées avec goût, que les gens ne mettent pas de volets roulants, par exemple. On souhaite valoriser et protéger un petit peu ces villas et faire prendre conscience aux propriétaires, aux touristes, aux habitants de Saint-Père que finalement ce patrimoine, il est un peu à tout le monde et que quand on se promène, on peut aussi s'approprier ce patrimoine.
Laurence continue son chemin. Elle s'approche d'une villa avec une façade insolite. Le chalet des pins. On a plus une évocation comme s'il y avait des poutres avec cette peinture en horizontale, comme ça. Et puis, on peut aller voir aussi sur la façade du côté. On a un traitement très original et qui est assez peu répandu sur la ville, qui est une façade entièrement en bois d'essentage. Donc ça, c'est le procédé où, en fait, on superpose des morceaux de châtaignier en jouant sur des motifs géométriques. Et ça donne une façade qui est vraiment magnifique. Les architectes, je pense qu'ils se sont vraiment éclatés à cette époque et ils ont fait un maximum de choses sur la découpe des toits, les coloris, les motifs géométriques. Donc en fait, on en fait des tonnes pour se démarquer du voisin, pour montrer l'originalité de sa maison. Juste à côté s'élève la Villa Belvédère, bâtie pour une autre famille fortunée. On a un niveau qui est souvent réservé au personnel, c'est le niveau du rez-de-chaussée. Et finalement, quand on voit la façade, on le voit parce que le parement, il est en pierre. Et le reste de la maison est traité différemment. C'est aussi sans doute une question technique, puisque ça fait des fondations en pierre, donc qui sont très solides pour supporter les trois autres niveaux. Il n'y a pas de gouttière, donc on joue sur des pans de toit pour que l'eau ruisselle, qu'elle passe de toiture en toiture et qu'elle finisse finalement dans la rue. Laurence Varin est maintenant attendue à la Villa Beau Rivage. Son actuel propriétaire l'a rachetée en 2007. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'autorisez à prendre des photos, bien faire sûr. Des gros plans? Super. Donc, je vais en faire une maintenant, puis peut-être que je reviendrai en faire plus tard. Depuis tout petit, cette maison me faisait rêver. Et puis, j'ai eu la chance de l'acquérir. C'était vraiment un rêve d'enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait de si bien? Parce que, je sais pas, je trouve qu'elle a, elle a un caractère particulier. Je trouve que ses formes, cette espèce de tourelle, et puis cette perspective sur la mer. J'avoue qu'on a beaucoup de chance. Laurence souhaite découvrir l'autre façade de la villa, celle qui donne sur la mer. Ouais, elle est vraiment superbe, cette maison. Le propriétaire a rajouté une véranda en respectant le style balnéaire. La véranda, elle a été faite avec des bois qui reprennent le bois des terrasses et puis également les briques. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu une précaution d'utiliser les mêmes matériaux que la villa à l'origine. Donc on est avec des personnes qui ont envie de faire évoluer leur maison, mais qui restent en harmonie avec le patrimoine. Alors effectivement, on a une vue sur la... sur la ville de Granville, avec au fond les îles Chausey. Ah, c'est super parce qu'on a même l'impression que le jardin il s'arrête pas et c'est la continuité avec la mer. Exactement, en fait. La perspective c'est d'être dans l'eau, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Quand on a des propriétaires qui ont cet état d'esprit, ça veut dire qu'on a gagné sur la préservation du patrimoine qui sera transmis de génération en génération. À quelques kilomètres de la côte ouest, se découvre le jardin de la Biserie. Ce clos ouvragé, l'un des plus beaux du Cotentin, est l'œuvre de Jérôme Gouthier, un ingénieur agronome. Dans ce vallon descendant en pente douce vers le nord, il fait cohabiter des plantes du monde entier. C'est un petit délire de jardinier.
le rêve exaucé d'un jardinier pendant 30 ans. Quoi. C'est le légendaire Gulf Stream qui arrose encore nos côtes, je ne sais pas pour combien de temps, mais qui nous apporte de la douceur. Et jamais d'excès dans les températures, pas d'amplitude thermique marquée. C'est le principe du Cotentin, le petit paradis des jardins. Comme tous les matins en ce début d'été, Jérôme parcourt chaque parcelle. Comme tous les jardiniers, j'adore désherber. Une opération toute simple, mais on adore mettre la main dans la terre quand elle est chaude. Là. En ce moment, c'est vraiment un bonheur. J'ai pris le virus du jardinage très très tôt, quand j'étais gamin, chez mes parents, pas loin d'ici. Je venais ici tous les 15 jours à peu près pour me ressourcer. Et j'ai eu la chance de m'installer très très tôt, l'année de mes 30 ans, et de trouver cet endroit merveilleux en 87. C'était mon rêve de créer un jardin quand j'avais 30 ans. Chez mes parents, le jardin me plaisait beaucoup, mais j'étais pas chez moi, j'étais pas libre de faire tout ce que je voulais. Là, ici, j'ai pu m'éclater. Ça, c'est un iris sud-africain qui s'appelle Morea, qui est très graphique aussi, la fleur. Et... L'ingénieur agronome aime partager sa passion. Ouais. Beaucoup de bulbes sud-africains qui se plaisent ici, ne serait-ce que les agapanthes. Aujourd'hui, il accueille de nouveaux voisins venus chercher des conseils. C'est joli aussi, ça. Ah oui, alors là, vous avez aussi une plante un peu strange. C'est une plante mexicaine. Et c'est une cousine, en fait, du yucca. Alors, en général, elle se dirige vers le soleil, mais là, elle est un peu désorientée. Le midi est là, je ne sais pas pourquoi elle va à l'ouest, là. Bon, bizarre. Afrique du Sud, Mexique, tout est réuni dans un mouchoir de poche, là. Un peu d'exotisme dans le jardin. Voilà, comme quoi on peut acclimater des plantes d'un peu partout, dans le Cotentin. Chacun a son style de jardin, évidemment. Nous, ce ne sera pas une copie de ce jardin-là, puisqu'on a tous des envies et puis des possibilités différentes, quoi, mais... Ça va nous inspirer aussi si on se met à faire un jardin. Alors voilà la pièce maîtresse du haut du jardin. Un très très bel eucalyptus qui est originaire de Tasmanie. Ce géant domine le paysage. Mais lorsque Jérôme l'a planté en 1990, il ne faisait que 15 cm de haut. Ouais, puis c'est l'écorce qui est vraiment magnifique. Ouais. Ah bah oui. Tout le monde a envie de le caresser, cet arbre. Ouais. Il vient d'une pépinière du Pays de Galles. Il est arrivé par la poste, il y avait une pépinière là-bas qui était spécialisée dans les eucalyptus, qui avait un choix délirant. Et oui, parce qu'il faut dire que dans les années 90, il n'y avait pas des pépinières un peu partout, ou des jardineries où on trouvait des plantes facilement. Et je suis allé beaucoup en Angleterre, en fait, chercher des plantes à l'époque. Je faisais mon marché outre-Manche. Et de l'autre côté, on va passer au Chili, parce qu'il y a un arbre qui fait des clochettes rouges, comme un fuchsia, là. Un petit arbre, un gros arbuste. Le crinodendron. Alors, il lui faut de l'ombre, plein nord. Ah oui. Un mur plein nord, c'est l'idéal. Ah bah super. Tiens, on a ce qu'il faut. Oui. Ouais, on a ce qu'il faut, ouais. Offrir des boutures est une tradition. Donc voilà. Oui, bah voilà. Si, ça c'est très bien. Parce que ça se multiplie comme des petits pains, c'est très facile à réussir. Et ça fera un bel arbre pour le nouveau jardin de Madeleine et Henri. Un bel arbuste qui fleurit à deux reprises. Maintenant, au printemps, et puis en fin d'été. C'est une façon de partager son jardin. Et voilà, j'ai été éduqué par une jardinière qui était très généreuse, qui m'a aidé à échafauder le jardin au départ, parce qu'elle m'a donné beaucoup, beaucoup de boutures. Et donc maintenant, voilà, je reproduis, je passe le relais, c'est normal. Là, il y a une azalée qui est en fleur, là. Qui sent très, très bon, ouais. Oui, je vois des grands cyprès là pour bail. Bon, c'est là qu'il faut faire un gros pas pour enjamber le petit ruisseau. Voilà. Magnifique l'arbre blanc là-bas. Hein. Le point stratégique du jardin. Le jardinier emmène le couple vers la plus belle vue, un balcon sur une mare artificielle. J'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu ce site. Je me suis dit tout de suite, ça, c'est un endroit qui se prête à la création d'un jardin. Et puis après, j'ai visité d'autres lieux, mais il n'y avait pas ce ballon. On a une impression de... Ouais, un peu de forêt presque équatoriale, enfin arborescente, quoi. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les formes, tous les étages.
Dans le bocage normand, on trouve pas vraiment ce type de jardin aussi. Hein. On a l'impression d'être dans un jardin secret, quoi. Ouais, c'est ça. Jérôme préside l'association Cotentin Côté Jardin. Elle regroupe 29 sites privés du département, tous ouverts au public dès les beaux jours. J'aime beaucoup ça, aller découvrir de nouveaux jardins. C'est un régal, c'est comme ça que j'ai réussi à fédérer tous les jardins qui constituent l'association. En fait, c'est par le bouche à oreille que j'ai réussi à trouver beaucoup de jardins intéressants qui méritent d'être visités. Donc il faut aller à l'affût de tous ces jardins cachés dans toute la Manche pour découvrir des merveilles. C'est un petit peu mon boulot. Cet après-midi, avec Michel Volpoet, la trésorière de l'association, ils ont rendez-vous avec un postulant. La particularité de Cotentin Côté Jardin, c'est d'avoir des jardins assez différents, tant par leur plantation que leur situation géographique. Et notre but à nous, c'est de faire découvrir la Manche. Comme on est répartis du Val de Serre et de la Hague jusqu'au Mont-Saint-Michel, en même temps, les visiteurs découvrent la Manche et ils font quelques haltes dans les jardins. Voilà. L'idée, c'était ça aussi. Je passe sous le petit de avec Ethel. Philippe Caron, le candidat, doit les convaincre de l'accepter dans l'association. Il veut d'abord leur montrer la plante dont il est le plus fier, un lupin de 5 mètres d'envergure. Alors ce lupin que j'ai mis il y a 3 ans, je n'avais pas imaginé qu'il allait être exubérant de cette façon. Je crois que c'est le plus beau lupin que j'ai vu dans le Cotentin. Non, mais j'ai jamais vu de lupin de cette taille-là, de cette envergure. Jérôme, le jardin de Philippe, il a ses chances pour entrer dans l'association ? Ah bah, il a toutes ses chances, bah oui, bien sûr. Il y a des très belles plantes, des scènes qui commencent à être assez sophistiquées. Ça intéressera nos visiteurs. Pour mettre toutes les chances de son côté, le propriétaire les emmène ensuite vers sa collection de 70 espèces de rosiers. J'aime beaucoup ce rosier, ce Apple Blossom, qui, ce rose-là, qui est en train d'aller s'installer difficilement. Il n'aime pas trop grimper, mais avec le Physocarpus, le pourpre du Physocarpus, ça marche pas mal. C'est une belle scène. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Cette association, je pense, va me permettre de montrer ce jardin dans lequel je passe beaucoup de temps, que je soigne. C'est stimulant aussi, l'association. Si je postule, c'est que je pense que mon jardin, aujourd'hui, il a évolué. C'est un bébé, il a 15 ans, et aujourd'hui, il y a des scènes qui sont... voilà, des scènes que j'ai envie de montrer. Je pense qu'il est... il est pas mal. En fin d'après-midi, Michel et Jérôme sont attendus dans ce jardin anglais. Sa créatrice, Caroline Sinclair, est une figure de l'association. Cette Anglaise s'est installée ici il y a une vingtaine d'années. Alors, you want to see the garden? On visite le jardin? Oui. T'as pas venu depuis longtemps, non? Bien 3 ans quand même. Hein. 3 ans, oui. Il doit y avoir des changements. Hein. Petit changement. Je pense que ça, c'était pas là quand tu es venue la dernière fois, alors. Non. Caroline a dessiné des massifs foisonnants autour d'une ferme typique de la région. Les plantes, colorées, se ressèment librement pour créer des scènes printanières enchanteresses. Et comme dans tous les jardins à l'anglaise, la maître d'œuvre veut imiter la nature. En fait, on fait une guerre contre la nature, je trouve. Quand on est jardinier, c'est une forme de guerre. C'est une gentille guerre, mais c'est quand même... tout veut pousser. Quand je jardine, je me trouve en train de sélectionner. Est-ce que je garde ça ou ça? Les deux sont beaux, mais il n'y a pas de place pour les deux. Donc, lequel je garde? Et c'est un peu ça, en fait. L'effet final, c'est le résultat de ce choix, en fait. Autour de la maison, une plante est devenue sa signature. Elle a conquis tout l'espace. Quand j'étais jeune et
J'étais indisciplinée. J'ai volé 3 plantes de les jardins botaniques de Cambridge. Et en Angleterre, on appelle ça œufs pochés, poached egg plants. Et j'ai pris 3 plantes. C'était minuscule, c'est très facile à prendre. Tu vois, c'est une minuscule petite plante comme ça et on prend. Et on... ça, c'est la plante, elle est entière et on met ça dans la poche. Faut pas faire ça quand vous visitez les jardins. C'est une chose à ne jamais faire. Donc, je suis arrivée avec un truc comme ça dans le jardin. J'ai mis ça précieusement dans mon petit jardin en Angleterre. Et petit à petit, j'ai eu un énorme plate-bande. Et quand je suis venue en France, j'ai emmené mes œufs pochés avec moi. Moi, j'en prends pas soin parce qu'à chaque fois que je viens, tu m'en donnes. Et je n'arrive pas à la naturaliser, cette plante. Non, mais je pense qu'ils aiment bien les Anglais. Ouais. Voilà, ouais. Sûrement. C'est un truc de nationalité. Elle aime bien les Anglais. Et moi, j'adore parce que quand elle est en fleurs, c'est un peu comme j'ai fait avec du crème fouettée. Je trouve, c'est une touche, c'est extraordinaire. C'est un jardin où les plantes se naturalisent beaucoup. Et en fait, Caroline, tu as commencé comme ça. Hein. Au départ, il n'y avait rien du tout. Tu as semé quelques graines et puis c'est devenu cette féerie. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très précoce, celui-là. Parce que généralement, c'est plutôt en plein été qu'il est en fleur. Oui. Ouais. Il est très précoce. Donc, c'est pour ça la jardinière est fière d'une autre plante. Oui, c'est peut-être ça. Il est bien. Elle avant, fleurit ici, un plus vite qu'ailleurs. Et vous, vous appelez ça comment en anglais? Les tisons... Red hot pokers. Ouais, les tisons de Satan en français. Yes. Ouais. Tisons de Satan, oui, en français. Mmh. Oui. Mmh. Oui. Caroline, c'est quelqu'un de simple, qui dit les choses de façon spontanée, et son jardin lui ressemble à ce niveau-là. C'est le jardin de Caroline. Moi, et en plus, moi, c'est les jardins que j'aime, mais ça, c'est autre chose. Je pense qu'on peut tous dire, on ne sait pas pourquoi on le fait. Ça nous prend dans la chair, dans les os et dans le cœur. Et on peut faire ça la longueur de la journée, sans arrêter. Et c'est un truc de fou. Les milliers d'heures, on met dans le jardin. Et c'est fabuleux d'ouvrir le jardin, parce que tu partages ça avec les gens. Et avec le partage, c'est la richesse de le jardin. Garder ça pour soi, c'est comme un tournesol de Van Gogh dans un truc fermé dans une banque. Ça, c'est horrible. Et ça doit être vu par tout le monde. Et quand j'ai une chose qui est si beau que je veux pleurer devant, je veux qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour partager ça. Retour sur le littoral, à l'ouest du Cotentin. Nous allons maintenant virer au-dessus des plages de Carole, qui sont juste devant nous, pour longer les derniers kilomètres de cette côte normande, pour aller vers la Bretagne. Alain-Étienne Marcel se dirige vers le pays de Saint-Malo. Il est en route pour la cité corsaire, où il s'est lancé dans une aventure hors norme, la restauration d'un fort Vauban. Nous sommes en approche de la frontière, de la limite entre la Bretagne et la Normandie. La rivière qui s'en sépare est le Couesnon. C'est la frontière naturelle entre deux provinces. Depuis la mer, le Mont Saint-Michel dévoile sa perspective la plus sauvage. La partie la plus belle du Mont Saint-Michel n'est pas celle du sud, celle que l'on voit lorsqu'on arrive en automobile, mais la partie nord, elle est boisée. Elle est boisée et les bois descendent à la mer, au niveau de la mer. C'est très escarpé et c'est vraiment la plus belle vue qu'on puisse avoir du Mont Saint-Michel. Parce qu'on ne voit que l'abbaye et au pied les bois. Dans ses premiers kilomètres, le littoral breton dessine
une grande plage rectiligne. Depuis le 8e siècle, les hommes ont progressivement gagné sur la mer en édifiant des polders pour leur culture. Cette plaine était autrefois occupée par la mer. D'ailleurs, Dol, le village que nous avons devant nous, était un port. Les bateaux allaient décharger, embarquer et débarquer de marchandises à Dol pour ensuite regagner le large. À l'emplacement de l'ancien port s'élève la cathédrale Saint-Sanson, tout en granit. Puis l'avion survole les dernières grandes étendues de sable de la baie du Mont-Saint-Michel. À l'approche de la pointe de Cancale, la côte change de visage. Deux îlots se détachent de Cancale, notamment le fort des Rimains. Vauban s'était rendu compte que Cancale, c'est à l'abri des vents dominants, c'est tout près de Saint-Malo, et il s'était dit que rien n'empêcherait l'ennemi de débarquer à Cancale pour ensuite rejoindre Saint-Malo. Donc, on a décidé de le construire, pratiquement 50 ans après la mort de Vauban, et quasiment le lendemain d'une attaque anglaise. Alain-Étienne Marcel atteint maintenant Saint-Malo. La cité, longtemps convoitée par les Anglais et les Hollandais, est toujours protégée par des fortifications. Elles ont toutes été imaginées par Vauban, le maître de l'architecture militaire du XVIIe siècle. Vauban a fortifié des îlots en pleine mer, que sont le fort de la Conchée, qui est complètement entouré par l'eau à marée haute. Et puis le fort national, appelé Royal, bien entendu, sous Vauban. Le fort Royal, qui est devenu le fort impérial, le fort républicain et aujourd'hui le fort national. Alain-Étienne a déjà participé au sauvetage du fort national. Après 30 ans de travaux, ce navire de pierre est de nouveau ouvert au public. Et puis, sur sa droite, dans l'ouest, le fort du Petit Bé, que Vauban a également fortifié. C'est en l'an 2000 que cet ancien juriste s'est lancé un nouveau défi. Sauver le fort du Petit Bé, alors à l'abandon. La vue d'en haut, on le découvre parfaitement. Ce Petit Bé, c'est le dernier rempart avant la ville de Saint-Malo. Donc sa position était absolument stratégique. Raison pour laquelle il n'a été désarmé que dans la seconde partie du 19e siècle. Pour le restaurer, la mairie de Saint-Malo l'a confié à Alain-Étienne pour 1 euro symbolique. Il en a la charge pour une durée de 70 ans. Le lendemain, il est attendu sur le fort par des tailleurs de pierre. Il faut savoir qu'on y va sur ces îlots quand on peut y aller et on revient quand on peut en revenir. C'est exactement comme un phare en mer. Là, on va débarquer dans les rochers. Oui, il n'y a pas de cale, il n'y a pas de gare maritime, là. L'approche est difficile. Le Petit Bé est cerné de rochers. C'est volontairement agressif parce que l'ennemi, on ne va pas lui faire une avenue pour débarquer. Donc tout est agressif volontairement. Ça fait 18 ans que j'y vais en moyenne 200 jours par an. Mais c'est le temps nécessaire et le temps qu'il fallait pour pouvoir le remettre en état. C'est à ce rythme-là. Vauban avait mis une petite note esthétique. Il avait dit qu'il faut que ce soit agréable pour les gens de la ville qui en regardent. Donc c'est un mur de fusillade, mais qui est assez élégant avec ses meurtrières à trois niveaux, ses créneaux, ses demi-bastions. Alain-Étienne a d'abord consolidé les murs de soutènement avec une équipe de bénévoles. Puis il a refait la toiture de l'ancien casernement.
En 2007, il a commencé à en restaurer l'intérieur. Il l'a transformé en gîte. Lorsque j'accueille les gens pour une visite guidée, ils prennent un ticket, c'est une forme de location qui va durer une heure, le temps de la visite. Mais on peut aller au-delà, on peut venir déjeuner ici, on peut venir dormir, on peut venir à plusieurs, on peut faire une fête, etc. Donc le fort, je le mets en location. Et puis, moi, ça m'aide beaucoup dans ma restauration. Le propriétaire rejoint les tailleurs de pierre. L'équipe travaille à 20 mètres au-dessus du vide. Les artisans doivent poser une pièce en granit de 240 kilos. Une gargouille qu'ils ont sculptée dans leur atelier. Il va falloir que vous redescendiez, monsieur Marcel. Allez, arrêtez un peu. On va la pousser. On les a placés. Ils sont poussés. C'est une gargouille qui va permettre l'évacuation de l'eau d'une partie de la plateforme. Ça permet d'évacuer l'eau à l'extérieur sans qu'elle ruisselle, notamment sur le mur, quoi, pour dégrader la paroi, quoi. Tout est important. Il faut le remettre rigoureusement dans l'état qu'il n'aurait jamais dû quitter, l'état dans lequel il était en 1710. C'est comme ça qu'il faut le remettre. Tout ce qui s'est passé par la suite, c'est de l'abandon, c'est du pillage, donc il faut oublier cette période et lui redonner toutes ses lettres de noblesse et sa grandeur. Ben ça, c'est particulier parce qu'on ne travaille pas tous les jours sur une île, et surtout sur un beau fort Vauban comme ici, quoi. Quand on voit le personnage, comment il se bat, ben c'est nous, ça nous fait plaisir d'être là et de faire du bon travail aussi. On essaye de faire au mieux, forcément. Pendant que les ouvriers scellent la pièce, Alain-Étienne en profite. Il nettoie la façade. Les joints sont partis, malheureusement, il y a une partie des joints. Et les racines de ces herbes se mettent à l'intérieur. Et ça détériore la muraille, quoi. Alors l'idéal, bien sûr, à un moment donné, ça sera de refaire les joints. Alors pour le moment, en attendant que les joints soient refaits, tous les ans, je désherbe. Enfin, j'en enlève le maximum, quoi. Je fais ça habituellement au bout d'une échelle. Vous voyez qui est en bas, j'ai une grande échelle. Quelqu'un en haut avec un bout et puis on avance. Ouais. Là, je profite de l'échafaudage, oui. Et je gagne du terrain quand même. J'ai de moins en moins de mauvaises herbes à pousser dans les remparts. Ah oui, on finit par gagner, non ? Hein ? Pour pas se laisser faire. Non ? Dès ce soir, l'échafaudage sera démonté. Dans quelques jours, le premier groupe de l'année va être reçu pour un déjeuner au Petit Bai. Au XVIIe siècle, le fort protégeait des attaques les bateaux de retour de la route des Indes. Avec dans leur cale des trésors venus d'Orient et du Nouveau Monde, comme les épices les plus rares. À Cancale, un homme perpétue cette tradition de terre des épices. Comment tu le passes avec le nouveau moulin, là, celui-là ? Hein ? Olivier Rollinger a pris sa retraite de chef cuisinier il y a 10 ans. Il continue pourtant à sillonner le monde pour dénicher les arômes les plus fins. Ce matin, dans son laboratoire, il travaille un sésame bio qu'il est allé chercher en Égypte. Là, on va emmener le sésame qui soit juste doré. Vous voyez, sa couleur, au départ, elle est un peu pâle, très, très blanc. Et puis, on va arriver à cette torréfaction, un peu comme on fait sur un café, mais très légèrement, parce que si on ne l'emmène pas assez, il va pas avoir ce goût assez de pain grillé, de brioche grillée, de noisette grillée. Et si on l'emmène trop, s'il est trop brun, alors on va tomber dans l'amertume. Alors, tout ça est très artisanal, hein. C'est justement toute la qualité à chaque fois. Toutes ces épices, une fois conditionnées, seront vendues dans le monde entier. Et cette dimension, ce soin apporté aux épices, bien comprendre que les hommes et plus particulièrement les femmes à l'autre bout du monde apportent un soin inouï pour obtenir cette graine, pour obtenir cette fleur d'hibiscus, cette écorce de cannelle, cette gousse de vanille, cette cardamome. Nous, on doit être simplement à la hauteur de la beauté de ce travail.
En 2015, l'ancien chef, triplement étoilé, a confié la cuisine de son restaurant à son fils de 29 ans, Hugo. J'ai grandi dans cette maison, je suis toujours passé là. Papa, il m'asseyait sur le fourneau. J'ai toujours grandi avec ces odeurs. C'est des odeurs qui sont rentrées depuis tout petit en moi et c'est des odeurs que je continue à sentir tous les jours dans la cuisine. On utilise les épices parce que c'est l'histoire de Saint-Malo, c'est l'histoire de la région de la Côte d'Émeraude. Et ça donne un sens à ce que l'on fait. Olivier Rollinger crée des poudres d'exception pour les recettes de son fils. Ils réfléchissent aujourd'hui à un nouveau mélange. Bon, alors, donc, l'histoire de la poudre long cours, l'infusion long cours d'abord, et peut-être, et ensuite on ferait... Est-ce qu'on t'avais pas mis de la coco aussi avec ouais. Si, je l'ai là. Ils choisissent le fruit de combava séché de la Réunion, l'herbe moringa du Sri Lanka et des copeaux de noix de coco de Sumatra. Et peut-être avec le budo sancho, un budo sancho d'été. Je crois qu'on puisse avoir. Celui du, ouais. Du Wakayama, là. Ouais. Pas mal, parce que tu vois le coco, là, la note qu'il donne. Ouais. Ah, il arrondit un peu le tout. J'ai travaillé des années tout seul, comme ça. Puis maintenant, on est deux, quoi. Et d'abord, on se sent moins seul. Et puis, c'est super, parce que il y a des choses qui arrivent, nouvelles, sur mon bureau. Puis il y a aussi toutes les idées d'Hugo, toutes ses envies. Et lui, il me jette des idées comme ça. Et c'est presque à moi, maintenant, d'articuler ces idées, quoi. Maintenant, avec papa, ce qui est beau, c'est les échanges qu'on a et construire les choses ensemble dans une intelligence collective. Vous savez que lorsqu'on est parents, on tente de modeler des souliers pour nos enfants pour qu'ils puissent marcher vers leurs rêves. Je dis bien on tente de leur modeler ces souliers. Et quand il se trouve qu'un de ces rêves vient recroiser le vôtre, c'est très intense. Hugo a rajouté une touche personnelle à la cuisine des Rollinger, les algues. Deux fois par mois, il les récolte dans l'anse de la Guimorée. Là, on est sur la route entre Saint-Malo et Cancale, la route de la côte. C'est vraiment une des plus belles routes de la région. Là, on est vraiment dans l'Armor, quoi. On voit ces couleurs. Là, on a les nuances de bleu, de turquoise, à l'indigo. C'est vraiment la côte d'Émeraude. On vient chercher un shoot d'air frais, un shoot d'embrun pour se ressourcer et pour créer, oui. Ce soir, il veut servir dans son restaurant l'une de ses recettes fétiches. Le bouillon de l'estran, une composition d'algues infusées, de fruits de mer et d'herbes aromatiques. En plus, là, on a un beau temps pour ramasser les algues. Là, il fait pas trop chaud. Il y a cette pluie, ce côté un peu mystique. C'est pas un temps à aller à la plage, mais c'est un temps à ramasser des algues. Là, on arrive sur la bonne saison, en plus. Là, c'est la fin du printemps. Et on a de la belle laitue de mer. La dulcée est belle aussi. Et ça, c'est une... On appelle ça une algue épave, c'est-à-dire qu'une algue qui s'est décrochée de son caillou. Et c'est un beau... ça, c'est du combu royal, quoi. Ça, c'est une algue qu'on va faire sécher, puis affiner, justement, quoi. Parce qu'on va pas pouvoir l'utiliser directement. On va lui donner un an d'affinage ou deux ans d'affinage, quoi. Qui va perdre ce côté marin, mais qui va avoir plus de richesse et de complexité dans les goûts, quoi. Ah, c'est bien réchauffé, l'eau des algues. Hugo repère d'abord une algue aux propriétés épaississantes. Ça, c'est une variété d'agar, ça. Elle est fraîche comme ça. Elle a des notes vachement poivrées, quoi.
C'est entre le crustacé, limite le, un goût de carapace, de carapace d'araignée un peu. Avec le poivre en plus. C'est vachement bon, fraîche. Un peu plus loin, il distingue un pied de dulse au milieu des algues brunes. Là, ce qui est bon, c'est les jeunes pousses comme ça. Ça, on peut l'utiliser en pareil, fraîche comme ça, ou ce qui est intéressant, c'est pour les bouillons aussi. Parce que la dulse a un fort pouvoir d'umami, la cinquième saveur, dans un bouillon. C'est le côté savoureux, le côté de... Quand on goûte quelque chose, qu'on a toujours envie d'en reprendre. Quoi. Ça, c'est l'umami, quoi. Le côté savoureux. Quoi. On a la chance d'avoir une diversité et une richesse dans les algues en Bretagne, parce qu'on a des eaux qui sont froides, riches en oligo-éléments, et souvent renouvelées par des grandes marées. Quoi. Donc on arrive à avoir des eaux très pures. C'est un jardin marin. C'est pour ça que, pour moi, le goût des algues, c'est vraiment le goût végétal de la mer. Ici, j'ai toujours eu en ligne de mire cet horizon, finalement, et dans le désir d'aller voir ce qu'il y avait derrière cet horizon. Et voilà, j'avais besoin d'assouvir ce rêve d'enfance, quoi. Donc je suis parti, j'ai fait des études de marine marchande pendant 3 ans, j'ai navigué pendant 2 ans sur les côtes africaines, dans les mers du Nord. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on a beau voyager, quand on est né dans ce pays-là, on revient toujours, on est accroché au rocher, quoi. Et moi, je suis revenu dans ce pays-là, dans le désir de le protéger, la beauté de ce territoire, par une cuisine. Ce que mon père faisait déjà avant, il racontait un pays dans une cuisine, une histoire dans une cuisine. Moi, je continue à le faire, mais peut-être avec une expression un peu différente. Le jeune cuisinier travaille les produits du pays de Saint-Malo dans cette villa Art déco, édifiée dans les années 20. Elle domine la baie de Cancale. Une partie du parc a été transformée en un potager un peu particulier. Dans le potager celtique, on a des pierres levées, qui est une technique des pays du Nord. En fait, elles font régulateur de chaleur, c'est-à-dire qu'elles gardent la terre chaude la nuit et plus fraîche la journée. Il y a une autre légende celte, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, qui disent qu'entre deux pierres levées comme ça, on a des champs magnétiques qui favorisent la germination des graines. Le cuisinier cultive ici ses plantes aromatiques, comme le chou marin, dont il va avoir besoin ce soir. C'est marrant parce que c'est vraiment... Quand on pèse la feuille comme ça, c'est vraiment dense. Je sens qu'il y a de la... Il y a de la matière, il y a de l'eau dedans. Et ça a une texture, quand on touche, c'est presque une texture de cuir. Et c'est pourtant très tendre. Il est 20h, c'est le coup de feu dans la cuisine du restaurant. Hugo s'attelle à sa recette, le bouillon de l'estran. Une infusion chaude de kombu royal et de dulce séché, associée à des fruits de mer, des herbes et des algues fraîches. Donc on va le porter à 60 degrés environ, pendant une demi-heure. Pour renforcer ce bouillon, on va utiliser des Saint-Jacques légèrement fumés, séchés au vent, et affinées pendant... Celles-là, elles ont 1 an. Et ça, on va venir le mettre au dernier moment dans notre bouillon. Oui. On va ouvrir nos coquillages. Dans chaque assiette, il dépose 2 huîtres plates de cancale et une palourde de la baie. Et là, on va venir déposer nos algues fraîches cette fois-ci.
quelques morceaux de choux marin pour apporter de la mâche un peu. La mer, là, en ce moment, là, on est à 12 degrés, c'est froid. Il va falloir venir la réchauffer, donner de la chaleur. Quoi. Et pour ça, on a pris un poivre sauvage du nord de l'Inde qui s'appelle le poivre d'Assam. Et là, on va venir en déposer sur nos coquillages. Une demi-heure plus tard, le bouillon est prêt. Mon eau marine est bien, là. Elle a bien pris le goût d'algue. Une fois la préparation filtrée, Hugo peut dresser l'assiette. Donc là, c'est vraiment le bouillon de l'estran, donc c'est un peu l'expression de tout ce qu'on trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est important que la cuisine ait un sens, quoi. Et de faire un plat comme ça, ça a du sens ici. Et ça prend une dimension plus intense. Le fait de manger ça au pied de la baie du Mont-Saint-Michel, quoi. Vous allez vous manger la mer. Le lendemain matin, Alain-Étienne Marcel s'affaire au Petit Bé pour accueillir ses 20 premiers clients de l'année. Le propriétaire a tout prévu, jusqu'à la glace pilée. Je vais les prendre à midi à la cale de Dinard. Donc les premiers arriveront vers midi et quart. Dans une heure, vous serez prêts ? Oui, il faudra. Pendant ce temps, Charlotte et Bertrand, des bénévoles, dressent la table. Ils aident ici depuis une dizaine d'années. Le temps presse. Le groupe arrive dans 15 minutes. S'occuper de la force est très varié parce qu'il faut être marin, il faut être cuisinier. On peut faire cuisiner des homards, on peut faire plein de choses. On fait des visites, on est guide conférencier. Donc c'est tout un lieu d'animation. Et on apprend tous les jours. Bonjour. Bonjour, bienvenue au port. Ses amis se sont offerts le monument pour quelques heures. Voilà, montez tranquillement, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps. Voilà. Tous découvrent le site pour la première fois. Bien, écoutez, bienvenue au fort du Petit Bé. Je suis ravi de vous accueillir. La météo est avec nous. La mer, la traversée s'est bien passée. Bertrand et Charlotte vont servir un peu de champagne. Hein ? Hop là, même, c'est parti. Alors, il y a quelques bigorneaux, j'en sais pas, des huîtres et puis des gambas. Et en plus, c'est bon. Tous les moyens sont bons. Je suis, mais vraiment, sans voix, de voir la beauté. Je sens que c'est vraiment pas un truc touristique voilà, qu'on voit un peu partout. On se sent dans le vrai. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là qui fait tant pour le fort ? On ne peut que vraiment admirer, applaudir. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que ça continue, qui servent d'exemple à d'autres personnes. Parce que c'est beau. Mais en même temps, on sent que c'est son plaisir, c'est sa vie. Voilà, allez. Attendez, bougez pas. C'est le meilleur, là, maintenant. Je suis ravi parce que c'est la manière dont il faut faire vivre aujourd'hui le Petit Bé. On va plus tirer au canon sur l'anglais. On est au milieu de la baie de Saint-Malo. Le plus bel endroit de la ville, il est ici. Il est au milieu de la baie de Saint-Malo. Le Petit Bé, c'est un espace de vie maintenant. Ça fait partie de notre patrimoine, une patrimoine de chacun. On est tous concernés.